شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Tous les éloges appartiennent aux vivants qui ne meurent pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, qu'il déverse, nous nous demandons de déverser sa bénédiction en surcroît d'honneur et de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed Ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons. Et j'atteste qu'il est donc le serviteur et le messager qui est venu conclure la série des messagers des prophètes par pure miséricorde et qui est miséricorde des univers, comme son Seigneur nous l'a dit « Nous avons envoyé, à Mohammed que comme miséricorde pour les univers. » Ceci dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète, sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et c'est ce qu'on appelle le hadiths koudsi. Dans un de ces hadiths rapportés par les deux Référence en matière de hadith, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Le travail extrêmement précis et scientifique qu'Allah le récompense de notre part, Allah a préservé sa religion, et notamment par, comme il a promis, dans la Sourate 15, Al-Hijra, et parlant du Coran C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous cherchons de le préserver. Et également il a également préservé les paroles qu'il a voulu que l'on retienne du noble messager qui ne parlait pas de lui-même parmi les hadiths qutsi il y a le hadith qui a été rapporté donc par les deux recenseurs compilateurs de référence qu'on appelle les hadiths les sahih les hadiths authentiques qu'ils ont rapportés. il y a ce hadith rapporté par Abu Hurayra Abdurrahman le Sakhr, celui qui a rapporté le plus de hadiths Noble compagnon du prophète, dont la mémoire était redoutable, grâce à Allah au travers d'une invocation que le prophète lui a faite. Il y a ce hadith où Allah dit Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent. Et dans une version, les actes sont récompensés de 1, de 10 à 700 fois. Et Allah précise Sauf le jeûne, le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas agressif, qu'il ne profère pas de gros mots, et quand on l'agresse, qu'il dise je jeûne, je jeûne, je jeûne. Par celui qui détient l'âme de sallam, dans sa main, l'haleine du jeûneur est mieux chez Dieu que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux joies, au moment où il coupe le jeûne et au moment où il rencontre son Seigneur ça c'est une des versions raccourcies de l'imam al-Bukhari al la version de musulmans vient la compléter justement c'est l'une un, des différences entre le hadith Qudsi et le Coran dans la mesure où le Coran on ne peut pas et on ne doit pas Dire son sens, on doit exactement dire exactement ce que Allah a dit et ne pas déplacer un mot. Alors que les hadiths quotidiens, les savants sont d'accord pour dire le sens. Et dans certaines versions, le début d'un hadith peut être retrouvé à la fin de l'autre. Ceci est toléré dans la mesure où le plus important, c'est le message que Allah envoie à ses serviteurs. Donc là, c'est pour montrer l'importance du jeûne. Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent. Les savants disent, les actes d'adoration, bien sûr, qui sont du musulman, puisque Allah n'accepte pas de quelqu'un d'autre, et les actes doivent être sincèrement dédiés à Allah et suivre l'exemple du noble messager. Ce sont les trois conditions d'acceptation des actes. Si Allah accepte l'acte, dans sa miséricorde, il le, le récompense de 10 à 700 fois. Et tous, donc, les actes appartiennent aux musulmans, sauf le jeûne, le jeûne m'appartient, dit Allah. Et les savants expliquent en disant que le jeûne est particulier, en ce sens, c'est le prototype même de l'adoration d'Allah avec le plus grand degré de sincérité. Bien sûr, Allah n'accepte que ce qui est sincère, ce qui est fait pour lui seul, mais le jeûne a ceci de particulier, que ce que l'on fait, on le garde pour soi, et normalement, personne ne sait qu'on qu on, qu on jeûne. Dans une version du hadith, Allah dit Le jeûneur a abandonné son manger, son boire, ses jouissances ou ses plaisirs pour moi, et c'est moi qui vais donc récompenser le jeûne. C'est qu'en voyant quelqu'un qui jeûne, on ne sait pas vraiment qu'il jeûne. En réalité, c'est la quintessence même de l'amour. J'aime manger, j'aime boire, j'aime avoir des joies, mais parce que j'aime Allah au-dessus de tout. J'abandonne ce que j'aime pour ce que Allah aime. Allah aime que son serviteur l'ait choisi, alors que c'est lui qui l'a choisi pour qu'il puisse le choisir. Beauté sur beauté. Par conséquent, celui qui abandonne son manger, son boire, se doit se, de se rappeler pourquoi il le fait. Et donc Allah, c'est lui qui va récompenser le jeûne, comme il va tout récompenser, mais particulièrement le jeûne. Et le Cheikh Mohammed al-Thameen, miséricorde, il dit le jeûne est aussi particulier dans la mesure où le jeûne est le prototype même de la patience. La patience, disent les savants, est de trois catégories. C'est le fait de faire ce que Allah a ordonné, c'est le fait de s'abstenir de ce que Allah a interdit, et le fait d'accepter les conséquences du destin. Et le jeûne regroupe dans cela, donc, les trois catégories, dans la mesure où Allah nous demande de jeûner, pour celui qui peut, bien sûr. Et Allah nous demande de ne pas manger. Il nous interdit des choses pendant la journée de jeûne. Et également, les conséquences, c'est que Allah a voulu que celui qui ne mange pas, qui ne jeûne pas, il a une année particulière et aussi, il a faim. Et donc, il le supporte. Il est plus fatigué que d'habitude. Tout ceci, donc, fait partie des conséquences. Donc, c'est la définition du sabre, de la, de, la, de la patience, de la persistance, de l'endurance. Allah récompense les patients sans compter. Donc, le jeûne est quelque chose qui est particulièrement recommandé et Allah seul en sait donc la récompense qu'il va donner et également on sait que le jeûne a été prescrit pour qu'on atteigne la piété et comme Allah le dit le jeûne vous a été prescrit aux croyants comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété et donc c'est ce qui fait du jeûne qu'il Rassemble toutes les conditions de la piété. Et cette piété, en réalité, est définie par les savants. Si on prend la définition la plus courante, c'est le fait d'obéir à Allah au travers d'une lumière venant d'Allah et en espérant sa récompense. D'arrêter de ne pas désobéir à Allah, de s'éloigner des interdits au travers d'une lumière venant d'Allah et craignant son courroux. Et donc, le jeuneur est celui qui s'éloigne donc euh, des interdits qui obéit à Allah en espérant bien sûr sa récompense dans ce beau monde et dans l'au-delà et également en craignant son châtiment puisque celui qui désobéit à Allah encourt son courroux. D'autres ont dit que la piété c'est également le fait donc de al jalil la crainte du majestueux al tanzil le fait de travailler avec ce que Allah a ordonné donc, il y a se préparer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa taala, qui fait partie donc de ce hadith Qudsi. et enfin aridabil qalil, le fait de se contenter de peu. En effet, on trouve dans le jeûne ces quatre choses c'est le fait de travailler avec ce qui a été révélé, comme la sourate donc le verset 183 de la sourate 2, Al-Baqarah qui nous dit, qui nous ordonne de jeûner. C'est le fait de contenter de peu. Finalement, on mange peu. Dans la mesure, dans la journée, on s'abstient du manger. On prend un sojour le matin, très peu de choses, une date ou quelques, ou quelques dates ou euh, quelques gorgées d'eau. Et le soir, on va arrêter le jeûne. Finalement, on n'est pas mort, au contraire. Et on, est, on se sent plutôt bien. Et le fait, donc, c'est ce, dans l'au-delà, Allah a voulu réserver donc au jeûneur, Allah a voulu réserver. Une porte des huit portes du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. seul le jeûneur, comme nous l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa a dit seul le jeûneur donc va rentrer dans ce, donc par cette porte-là, et nul autre que le jeûneur ne pourra rentrer dans, par cette porte-là, c'est Allah qui lui a réservé. Et également, donc, on trouve dans ce jeûne euh, les quatre choses. Par conséquent, c'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on abandonne ce qu'on aime. Pour ce que Allah aime. Et c'est la raison pour laquelle, disent les savants, Allah ennoblit le jeûne tout particulièrement. Et quand un, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne-moi, conseille-moi une adoration particulière, il a dit que Dieu le bénisse et le sauve je t'ordonne ou je te conseille le jeûne parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Et le bonus, c'est que le jeûneur, il a, Allah lui a promis une invocation, d'exaucer de, une invocation. Donc pendant son jeûne, certains disent, c'est pendant toute la journée du jeûne, d'autres disent c'est au moment où il va rompre le jeûne, qu'Allah accepte donc nos invocations dirigées vers lui et qu'il nous fasse miséricorde et il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala.